Oui. J'ai fait. Oui. Oui, voilà. Est-ce que... Je vais essayer également, mais... Je... D'accord. D'accord. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Et donc, nous allons nous présenter. Hein. Je suis Carole Joly, psychologue de l'éducation nationale chargée d'orientation. Donc, voilà. Voilà. Moi, je suis Madame Buzaret, également psychologue de l'éducation nationale. Et nous intervenons toutes les deux au CIO de Brest. Voilà, donc l'objectif, hein, ça va être de vous présenter toutes les façons d'aller étudier, hein, c'est l'objectif, hein, de notre atelier, étudier à l'étranger. Donc on verra un petit peu, je vous ai fait un petit, enfin, on vous a fait un plan de présentation. Hein, dans une première partie, nous allons aborder des questionnements d'ordre général. Quand on veut partir en mobilité à l'étranger. Nous verrons quelles sont les possibilités dans une deuxième partie de partir en mobilité encadrée. Donc vous verrez, hein, c'est des termes qu'on emploie beaucoup tout au long de cette présentation. Donc la mobilité encadrée, on verra en détail ce que c'est. On verra comment elle s'organise, cette mobilité encadrée, au niveau de l'enseignement secondaire. Et puis ensuite, dans une autre partie, comment elle s'organise au niveau de l'enseignement supérieur. Et ensuite, dans une troisième partie, nous verrons la mobilité, hein, la possibilité de partir en mobilité solo. Donc là aussi, on vous détaillera ce que ça veut dire, la mobilité solo. Et souvent, on fait le distinguo, en fait, de ce qui existe avant 18 ans, avant d'être majeur, ou alors après la majorité. Donc voilà un petit peu comment va s'organiser la présentation d'aujourd'hui. J'essaie d'avoir un autre éclairage. Ouais, c'est, ah, voilà. C'est peut-être pas très... Donc l'espace européen, hein, l'Europe, voilà, dans la construction de l'espace européen, on est arrivé, là, c'était en 2004, hein, par exemple, il y a eu le processus de Bologne, hein, et c'est ce qui, c'était un petit peu l'objectif de tous les pays européens, d'harmoniser leur système de formation supérieure pour permettre, on va dire, la circulation des étudiants au sein de l'Europe. Avec Europe, hein, on parle beaucoup d'Erasmus+, hein, on le détaillera aussi. On verra aussi également que les échanges, la mobilité des élèves, des étudiants ne se limite pas aux pays européens, mais englobe aussi ce qu'on appelle, on les appelle les pays tiers, c'est-à-dire des pays hors Europe, hein, comme des pays, on va dire, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, etc., etc. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, notamment les raisons pour lesquelles on souhaiterait aller étudier à l'étranger. Donc vous pouvez le voir, effectivement, il peut y avoir plusieurs motifs, hein, de départ. Alors, c'est vrai que plusieurs élèves viennent nous voir dans un objectif, effectivement, de dépaysement. Donc, plutôt dans un objectif de développement personnel, épanouissement personnel. Alors, découvrir une langue, une nouvelle culture. Et puis, pour certains, ça peut être aussi une rupture avec le quotidien et une fuite, une sorte de fuite vers l'étranger pour trouver d'autres horizons. Et puis, on peut avoir d'autres élèves aussi qui font le choix d'aller à l'étranger, faire leurs études à l'étranger, plus pour trouver des filières qui seraient peut-être réputées. Ça peut être aussi dans un objectif de contournement de certaines filières, notamment, je pense aux filières paramédicales, hein,
Vous avez tous entendu effectivement parler, par exemple, des écoles de kiné, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne. On peut en avoir dans des filières médicales. Et certains choisissent effectivement de la mobilité pour essayer de contourner un petit peu les contraintes que l'on a dans notre système français. Donc en termes de sélection, en fait. Ouais. Voilà. Clairement. Et puis, on va avoir d'autres motifs. Effectivement, ça va être... tout ce qui est l'objectif langue aussi, améliorer ses compétences linguistiques, ses compétences aussi à la fois scolaires, en allant dans le pays à l'étranger, ça va permettre d'avoir un meilleur CV et d'avoir des compétences peut-être plus valorisantes et à valoriser dans des grandes écoles. Voilà, donc il y a aussi des motifs en termes... De projection à plus long terme, hein, au niveau de l'insertion professionnelle, par rapport à son CV, par rapport à ses chances d'intégrer tel et tel secteur d'activité en étant passé par un temps de formation à l'étranger. Donc les raisons sont multiples, hein, l'une n'exclut pas l'autre. Hein, on peut à la fois avoir le goût pour l'aventure, se lancer des défis personnellement et vouloir muscler son CV et aussi s'immerger dans une culture différente. On vous a brossé là quelques exemples de motivation qui poussent les jeunes à vouloir partir. Voilà, peut-être dernière chose, effectivement, on peut voir aussi que certains ont vraiment l'objectif d'aller aussi s'installer à l'étranger. Donc ils choisissent aussi de faire leurs études pour envisager une intégration directe dans le pays dans lequel ils vont faire leur cursus de formation. Et on va le voir plus tard, pour ceux qui effectivement ont l'intention de faire leur cursus de formation à l'étranger, il va falloir se poser un certain nombre de questions qu'on va le voir ensemble également, puisqu'il faut penser au retour. À un moment donné, si mon choix c'est pas d'aller exercer à l'étranger, mais de revenir en France, il va falloir se poser les questions avant le départ. Donc concrètement, il faut préparer sa mobilité. Beaucoup de jeunes ont des envies de partir, viennent nous voir avec une première demande. Et puis, déjà, de poser la question donc, du motif, hein, comme on vient de le voir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut vouloir aller à l'étranger, que ce soit pour sa langue ou sa culture. Mais la question se pose également du pays. Donc il y a des élèves qui viennent nous voir, ou des étudiants également qui viennent nous voir, avec une demande bien précise pour un pays en particulier. Sauf qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte dans le choix de cette mobilité-là. Donc à la fois le pays que je cible, c'est s'interroger sur le coût de la vie, le coût des études, le coût des transports, la facilité des démarches administratives. Donc c'est pas uniquement ce pays me plaît pour sa culture, sa langue, etc., mais aussi se poser toutes ces questions-là autour de la mobilité dans ce pays-là. Et puis la zone géographique que l'on cible. On peut très bien vouloir, par exemple, un élève qui me dit « je veux aller au Canada, je vais aller étudier à Québec ». On se doute que le financement des études sera forcément différent à Québec même que dans une région autour de Québec. Le budget ne sera pas le même que ce soit pour le transport ou le logement. Donc on peut avoir un choix de pays au départ, mais peut-être pas forcément la ville dans laquelle on s'imaginait. Il n'y a pas que la capitale qui offre aussi des perspectives de formation. Donc il faut quand même s'interroger sur cette mobilité géographique au sein même du pays que l'on a ciblé. Et puis la question aussi de la facilité des démarches. Quelqu'un qui nous demande effectivement d'aller, par exemple, en Espagne et celui qui demande d'aller aux États-Unis, en termes de démarches administratives, le visa... ça prend du temps, ce sont des démarches supplémentaires qu'il faut aussi considérer avant de partir. On va aussi avoir tendance à cibler un pays, toujours par rapport à ses objectifs, mais aussi par rapport aux filières, comme on disait, spécifiques. On sait que dans certains pays, il y a des filières art, des filières architecture, qui peuvent vraiment nous intéresser. Donc là aussi, avant le départ, c'est toujours s'intéresser à la filière d'études, les modalités pour y rentrer et aussi, si j'envisage un retour en France, bien sûr, de voir quelle est la valeur de cette formation aussi dans le pays étranger dans lequel je vais étudier. C'est à peu près tout. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure, si vous le souhaitez.
Bon, alors quand partir, hein, souvent on a ces questions-là en entretien individuel, hein, le jeune et la famille posent la question, mais à quel moment c'est mieux de partir ? Alors c'est mieux de partir quand vraiment on se sent prêt. Alors se sentir prêt, c'est quand on a quand même réalisé tout un ensemble de démarches. Hein. Le fait de partir, hein, c'est un projet qui va maturer pendant longtemps finalement, entre le moment où l'idée nous vient en tête et vraiment le moment où on va partir, il peut se passer un an ou deux ans facilement. Parce que, effectivement, pour concrétiser un projet, on va passer par plusieurs étapes. Hein, donc, et on va se sentir d'autant prêt, d'autant plus qu'on a fait des recherches, regardé la faisabilité financière, regardé l'éloignement. Enfin, il y a tout un tas d'étapes. Hein, et comme on l'a dit, parfois de démarches administratives qui prennent du temps. Parfois, il faut tester son niveau de langue ou attester en tout cas son niveau de langue. Donc tout ça, ça prend du temps, ça se prépare. Et plus ben, on a préparé ces étapes-là, et plus on va se sentir prêt. Même si voilà, on a le goût de l'aventure, on a envie absolument de partir, ben oui, effectivement, il y a cet élément-là, mais on ne va pas partir comme ça sans avoir bien préparé sa mobilité, parce que c'est important que cette mobilité se passe bien. C'est une expérience parmi d'autres, mais cette expérience, c'est mieux si elle se passe dans de bonnes conditions et qu'on ne se retrouve pas dans des galères. Voilà, il faut un peu tout avoir balayé et tout avoir couvert en termes de conditions liées à sa mobilité. Voilà. Donc effectivement, on a l'impression que dans certaines situations d'avoir des élèves qui ont l'impression d'avoir du temps devant eux, en tout cas d'être bien en termes de délai. Sauf que des fois, ben, on a une situation récente, hein, notamment un jeune homme qui vient d'être admis dans une école à Harvard aux États-Unis. Et donc, c'est une préadmission puisqu'il est passé par une procédure, on va dire une early procédure. Donc, ça permet effectivement de sélectionner les écoles qui nous intéressent et d'avoir une préadmission. Donc, on va dire du point de vue académique, des notes scolaires, visiblement, son dossier a été retenu, sauf qu'il y a un certain nombre de démarches qui lui ont été demander et notamment d'attester son niveau de langue. Bon, il s'avère que dans les faits, quand il fait des recherches pour savoir comment obtenir ce niveau de langue, ben, il lui faut un certain nombre de temps pour la préparation et la passation. Donc ce jeune homme en question risque d'être très juste en délai, alors qu'on est à N-1. Vous voyez ? Donc cette question de délai, elle est vraiment importante dans votre projet de mobilité. Alors, la question du budget, on vient de le... Bon, ça va de soi. On a tendance à... C'est la première préoccupation, d'ailleurs. Hein, quand je vais alors en mobilité à l'étranger, le budget, c'est une des questions que l'on se pose. Et il est clair qu'il y a deux types de mobilité. Donc, on vient de vous le présenter dans le plan. Donc, il y a la mobilité plutôt encadrée, qui rentre dans un programme. Et puis, la mobilité dite en solo, où là, effectivement, c'est l'élève, l'étudiant avec sa famille, qui vont faire les démarches d'eux-mêmes pour aller trouver les écoles dans les pays ciblés. Donc, du point de vue budgétaire, c'est beaucoup plus intéressant financièrement de pouvoir partir en mobilité via une mobilité encadrée, via un programme d'études. Alors, le plus connu dont vous avez entendu parler, effectivement, Erasmus, on va l'aborder. Et il y a d'autres noms de programmes portés aussi par l'Europe, mais que l'on va aussi voir dans le supérieur. Mais il est clair qu'on n'est pas du tout sur les mêmes attendus financiers. Il faut être honnête, une mobilité en solo, c'est souvent très onéreux. Ce n'est pas forcément à la portée de toutes les personnes qui souhaitent une mobilité, et d'autant plus si on va sur un cursus qui est sur 2 ou 3 ans. Alors là, on vous a balayé un petit peu les cadres, les différents cadres dans lesquels on va pouvoir partir étudier à l'étranger. Donc on a effectivement cette mobilité encadrée via des programmes, pour un séjour d'études, on va dire, hein, dans une université partenaire.
On a un autre cadre qui peut être, on l'a dit, la mobilité solo. Donc là aussi, c'est étudier dans un pays étranger. Mais là, tout est géré par la personne, le choix de l'université, l'admission, l'inscription, etc. Et puis, on a également des jeunes qui sont inscrits dans le système français supérieur et qui vont partir dans le cadre d'un stage ou d'une alternance à l'étranger. Donc voilà un petit peu toutes les... C'est ça, les trois mobilités possibles, sachant qu'effectivement le stage, on est plutôt sur une immersion courte à l'étranger, mais qui peut effectivement correspondre davantage à certains profils d'élèves. Et qui quelquefois sont imposés dans les cursus scolaires, même français. Vous voyez, quelqu'un qui va par exemple faire un BTS commerce international, je veux dire un stage à l'étranger fait partie des critères, des obligations de la formation. Ou les écoles d'ingénieurs aussi, les écoles de commerce, il y a pas mal... Les licences à l'université aussi. Ouais, il y a pas mal de... C'est vrai que la mobilité à l'international est vraiment fréquente au niveau de l'enseignement supérieur. Donc voilà, il faut se poser, comme on vous le dit, de façon générale, il faut se poser tout un tas de questions quand même. Et notamment des questions qui relèvent de son niveau de langue. Toutes ces questions que l'on se pose, c'est pour permettre de bonnes conditions, une bonne expérience en fait à l'étranger. Donc, attester son niveau, quel est mon niveau de langue, est-ce que le programme que je choisis, est-ce que la mobilité que je choisis, le contenu de ce que je vais avoir, est-ce que ça correspond, est-ce que je peux y réussir, il y a ça aussi, cette question-là. Il y a la faisabilité financière, la faisabilité de son projet en général passe par un petit peu toutes ces étapes et ça se prépare. Donc tous ces questionnements viennent au fur et à mesure et prennent du temps en fait pour... Effectivement, vous avez réussi à répondre à l'ensemble de ces questions, c'est que vous êtes prêt à partir. Voilà. Et la dernière chose que je rajouterais avant de passer dans le vif du sujet sur la mobilité, c'est quand même en termes de le choix géographique. Parce que des élèves, effectivement, comme je disais spontanément, ils veulent les États-Unis, enfin j'en ai beaucoup cette demande-là, le Canada, etc. Il ne faut pas oublier que ça attire, effectivement. Mais pour les jeunes qui n'ont pas eu l'habitude d'être en mobilité, quelquefois c'est bien de faire un stage déjà pour voir si je m'adapte dans le pays dans lequel j'ai envie de m'investir, ou en tout cas il faut au moins avoir bien conscience que si je vais étudier dans un pays aussi éloigné, c'est que je ne vais pas rentrer tous les week-ends, ça veut dire peut-être pas rentrer à Noël non plus, enfin voilà, je ne suis pas bien, j'ai un coup de blues, je ne rentre pas non plus du jour au lendemain. C'est quand même des critères, donc ça rentre effectivement dans l'adaptation. C'est important de réfléchir à tout ça. Il y a des élèves qui vont faire plutôt le choix de la proximité géographique, tout en étant en immersion dans une langue qu'ils auront choisie. Par exemple, au lieu d'aller aux États-Unis pour l'américain ou l'anglais, ils vont plutôt choisir un pays nordique beaucoup plus proche du point de vue géographique et ils retrouvent effectivement leurs objectifs de progression en langue étrangère. Donc ça, c'est quand même un critère à prendre en compte aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer effectivement par la mobilité plutôt encadrée dans l'enseignement secondaire. Donc secondaire au lycée. Donc avant bac, on peut dire. C'est ça. Donc la mobilité encadrée s'appuie... S'appuie sur le programme Erasmus+. Erasmus+, concerne la mobilité des élèves. Donc, même en école primaire, il y a des échanges. Il peut y avoir des échanges entre écoles primaires de pays différents. Le support, c'est toujours Erasmus+. C'est l'échange des élèves, des collégiens, des lycéens, tout ce qui est enseignement supérieur. Mais on dit Erasmus+, alors depuis 2014, Erasmus est devenu Erasmus+, mais s'étend aussi en fait à des publics qui ne sont pas scolaires. Donc ça peut être des professionnels, adultes en reconversion, demandeurs d'emploi, apprentis, etc., etc. Voilà. Donc souvent, une façon déjà
d'aller sur de la mobilité à l'international, hein, c'est les élèves, hein, qui font partie de sections européennes ou de double bac, en fait, hein, qui ont des noms différents, hein, selon les pays, hein, le bachibac, donc voilà, c'est un double bac franco-espagnol, il y a un double bac franco-italien ou franco-allemand. Donc souvent dans ces filières-là, les élèves vont bénéficier de séjours, d'échanges avec un autre pays. Et donc là aussi, hein, on s'appuie sur le programme Erasmus+. Donc c'est une mobilité encadrée, hein, vous le comprenez, parce que c'est pas l'élève et sa famille qui fait une démarche individuelle pour dire bah, j'aimerais bien que mon enfant aille dans il est en bachibac et je veux qu'il aille faire 3 mois dans une école en Espagne. Non, là, ça s'appuie vraiment sur un projet d'établissement. Mais n'empêche que derrière, voilà, tout est organisé, tout est balisé, on va dire. Voilà, donc du coup, ce que je voulais juste rajouter, puisque c'est une question qui nous est posée de temps en temps, c'est au niveau des sections européennes et l'OIB. Le bac avec la mention OIB, quel est l'intérêt de faire, par exemple, un baccalauréat avec la mention OIB? C'est souvent des questions qu'on peut nous poser. Alors, souvent, ce sont des élèves qui, déjà, sont très bons du point de vue linguistique. Ça va de soi, parce que c'est vraiment une formation concentrée sur les langues, mais à la fois sur le côté littéraire et culture du pays dans lequel on aura choisi de s'investir. Et donc, ça facilite l'entrée dans le supérieur dans le pays ciblé, et puis ça facilite aussi l'entrée dans les universités ou les écoles françaises un peu plus prestigieuses dans lesquelles on aurait peut-être une exigence en termes de langue. Oui, et puis pour certaines filières, donc par exemple nous ici à Brest, on a le lycée Amiral Renard où on a un bac OIB donc en espagnol. Donc ça veut dire que ces élèves-là, toutes les années lycée, ils ont eu peut-être 8 à 9 heures d'enseignement de linguistique, mais aussi littéraire et linguistique, histoire, géo et littérature dans la langue du pays. Et ils peuvent, au niveau local, il peut y avoir des négociations, notamment avec, par exemple, l'UBO, pour que les élèves aient déjà une validation de certaines matières s'ils suivent une licence d'espagnol, par exemple. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Après, ben, l'intérêt, là, on est immergé tout de suite dans la littérature et l'histoire du pays. Donc, c'est vraiment un niveau de langue qui est poussé. Hein. Les élèves sortent déjà avec un niveau B2 de terminale, quoi. Voilà. Alors, niveau B2, ça parle à tout le monde? Ah oui, c'est un B2, cadre... C'est bon ouais. Donc, il y a bien un cadre européen aussi commun, hein, de référence, pour avoir une meilleure lecture, en fait, des niveaux à l'échelle de l'Europe. Juste pour un petit rappel. Donc après, on a donc les lycées français à l'étranger. Donc en fait, nous, la France, on est le seul pays au monde qui avons un réseau de lycées français implantés dans les pays du monde. Donc ce réseau est géré par le ministère des Affaires étrangères, dont une émanation, AEFE, qui est l'agence des établissements français à l'étranger. Donc voilà, ces établissements sont gérés. C'est comme si on avait des lycées privés français qui sont implantés dans tous les pays du monde. Et alors, qui trouve-t-on dans ces établissements scolaires, dans ces lycées français? Ben, on va avoir des élèves français, des familles qui sont expatriées ou qui se sont installées à l'étranger. Et elles peuvent faire le choix soit de scolariser leur enfant dans un système local, soit qu'ils puissent intégrer un lycée français avec tout le programme. Hein, c'est le même programme que ce que nous, on a en France. Et on a aussi des élèves qui sont de nationalité étrangère, hein, du pays, et dont les parents décident qu'ils vont poursuivre une scolarité tout en français avec un bac français. Voilà. Et donc dans ces lycées français, il y a la possibilité pour un élève qui est actuellement en classe de seconde ou de première
Eh bien, un élève de chez nous, quoi, d'un de nos lycées en France, peuvent demander à effectuer une année complète dans un lycée français à l'étranger. Donc là, vous voyez l'intérêt, ça va être que l'élève va être immergé complètement dans le pays, puisqu'il est souvent dans une famille d'accueil. Il bénéficiera de sa scolarité, on va dire, de poursuivre sa scolarité jusqu'au bac, avec un enseignement de langue un petit peu plus poussé, puisqu'il aura plus d'heures de langue. Et donc, il y a possibilité, via ce qu'on appelle la Bourse de Londres, de demander, en fait, à pouvoir intégrer un lycée français à l'étranger. Bon, sachant que c'est une demande, il y a une sélection. Un des critères qui est retenu, c'est les résultats académiques de l'élève. C'est ses notes scolaires. À chaque fois, dans la mobilité, quand un élève, on le fait partir en mobilité, c'est que déjà, dans son pays, ça se passe bien au niveau scolaire. S'il y va pour étudier, c'est qu'il faut que ça se passe bien, déjà, dans son établissement d'origine. Donc, on va regarder ce critère-là et aussi le critère de revenus des parents. Parce que c'est une bourse. C'est un critère aussi de... sur boursier au mérite, Donc, avant de passer à la suite aussi par rapport à la mobilité dans le secondaire, puisqu'on parle de secondaire, je peux me permettre juste de me poser une question. Il y a des personnes qui sont plus intéressées effectivement par la mobilité dans le secondaire ici, et pour avoir à peu près la demande qu'il y aurait, Donc la majorité des personnes ici, c'est plutôt pour la mobilité des études supérieures. Ou après 18 ans. D'accord. Donc, il y a peut-être, étant donné qu'il y a moins de demandes effectivement sur le secondaire, on va balayer effectivement le secondaire. Il ne faudra pas hésiter à venir nous voir après s'il y a des questions plus spécifiques. On va quand même les balayer parce que ça fait partie des questionnements possibles. Alors, surtout les programmes franco-allemands, alors qui sont les plus connus. Vous allez avoir le programme Brigitte Sauzet et le programme Voltaire. Donc, pourquoi ça concerne le secondaire? Si je prends par exemple le programme Brigitte Sauzet, donc ça concerne les élèves de la quatrième à la première. Donc là, ce sont des programmes portés par l'OFAGE. C'est vraiment un partenariat franco-allemand. Et là, il y a différentes, effectivement, possibilités. Si on prend le programme Brigitte Sauzet, on est sur une alternance. 3 mois chez le correspondant et 3 mois, on accueille le correspondant chez soi. Donc, c'est un élève qui commence son cursus dans un établissement français ici et qui, avec l'autorisation de son chef d'établissement, va pouvoir se déplacer en Allemagne. Et puis, pour cette démarche-là, il va devoir trouver un correspondant, une famille d'accueil. Et pour ça, il lui faut un tuteur qui sera souvent le professeur principal ou professeur, en tout cas de langue, dans l'établissement. Et puis, il y a une demande qui est à faire également au niveau du rectorat. Et il n'y a aucun frais d'inscription, puisque c'est basé sur une démarche donnant-donnant, donc il n'y a pas forcément de frais supplémentaires. Donc, pour plus de renseignements sur ces échanges-là, c'est bien le site de l'OFAGE qui vraiment porte ces deux programmes. Alors, le deuxième programme, c'est celui dont je parlais, Voltaire, mais là, ça ne concerne que les élèves de 3e et de 2e. Et là, on est sur une autre... C'est le même type de mobilité, c'est la durée qui change. Là, ça va être plutôt 6 mois en Allemagne et 6 mois, on accueille le correspondant allemand chez soi. Donc, c'est un projet aussi de famille, du coup. Il faut quand même prendre ça en compte. Et puis, les périodes sont inscrites ici. Donc, c'est 6 mois. Les 6 premiers mois, c'est mars à août. Et la deuxième période, c'est plutôt septembre à février. Donc là aussi, on s'adresse aux chefs d'établissement. Ce sont aussi des élèves, comme ils ont commencé leur cursus ici, ce sont des élèves quand même qui sont assez à l'aise dans leur cursus pour ne pas se retrouver en difficulté dans leur propre cursus scolaire. Donc, c'est soumis à autorisation du chef d'établissement et la possibilité des candidatures se font tous les ans à partir du mois d'août. Voilà à peu près, toujours sur le site de l'OFAGE pour en savoir plus.
Donc on va aborder maintenant la mobilité encadrée dans l'enseignement supérieur. Donc cette mobilité encadrée dans l'enseignement supérieur s'appuie, hein, comme on l'a dit, sur les programmes Erasmus+. Donc un petit rappel concernant l'architecture des études dans l'enseignement supérieur. Donc ça, je vous ai dit, hein, c'était le processus de Bologne en 2004 tout à l'heure, mais la date butoir c'était 2010. Hein. Tous les pays européens devaient en 2010 organiser un enseignement supérieur en 3 grades. Donc nous, les 3 grades, en l'occurrence, c'est licence, master, doctorat. Pour faciliter hein, ces 3 grades, hein, pour faciliter donc la mobilité, les échanges des étudiants entre les pays européens. Donc, sachant que pour faciliter cette mobilité, on a mis en place d'indicateurs communs qui s'appellent les ECTS. Les ECTS, en fait, correspondent à une charge de travail pour chaque matière. Hein, si on a des étudiants parmi nous, hein, pour chacune des matières que vous étudiez à l'université, vous allez avoir un équivalent en nombre de CTS. Et donc, on sait au niveau européen, quand un élève a validé 3 ans de formation, il aura validé 180 crédits de CTS, puisque c'est 60 crédits d'enseignement par année validés. Donc un étudiant qui arriverait d'un pays européen qui veut rentrer en master chez nous, on va regarder ce qu'il a fait auparavant. On pourra le voir parce qu'il y a un supplément de diplôme. Et grâce au supplément de diplôme, on voit le contenu de ce qui a été étudié pendant les 3 ans et le nombre de CTS validés. Donc nous, pour rentrer en master, il faut avoir validé 180 crédits d'enseignement. Donc après, on peut étudier ces demandes-là. Voilà, donc la mobilité, ces ECTS hein, permettent vraiment une reconnaissance des études que l'on a pu suivre. Et quand un étudiant part dans un pays pour étudier, dans le cadre du programme Erasmus, l'étudiant va avoir des cours, passer des évaluations, avoir une notation, et donc on va lui reconnaître, même s'il n'a pas fait exactement la même chose que s'il était resté en France. On va lui reconnaître quand même, on va lui reconnaître son semestre ou son année passée dans l'autre pays. Donc voilà. Dans la plupart des pays d'Europe, l'enseignement supérieur a été organisé en 3 grades. Le premier grade, la licence, se fait en 3 ans. Hein. Mais vous avez un petit cas particulier qui est l'Espagne, qui a organisé ses études supérieures avec un diplôme obtenu en 4 ans. Le premier diplôme va s'obtenir en 4 années et s'appelle le grado. Donc là, un élève qui voudra rentrer en master universitario en Espagne, eh bien, il faudra qu'il aille jusque, enfin, il faudra qu'il ait validé 180 crédits et 60 supplémentaires pour rentrer dans le master en Espagne. Donc voilà à quoi, hein, c'est pour vous montrer l'utilité hein, de la mise en place aussi des ECTS, hein, qui est un outil en fait aussi de pouvoir d'échange des étudiants au niveau européen, dans l'espace de formation européenne. C'est important, effectivement, cet aspect-là des ECTS. Comme vous venez de l'entendre, par exemple, si c'est en Espagne et que vous avez d'abord, si vous faites votre choix de mobilité après une licence ici obtenue en France, on peut se retrouver bloqué pour une candidature sur un niveau master en Espagne, puisqu'on n'aura pas obtenu nos 240 crédits. Vous voyez, puisqu'on est plutôt sur une licence qui, eux, ils appellent le grado, en 4 ans, donc avoir 240 crédits. Donc, d'où l'intérêt, en fait, d'avoir vraiment cette notion des ECTS pour comprendre la mobilité et savoir à quel moment je peux partir aussi en mobilité. Quel est le meilleur moment pour partir en mobilité à l'étranger? Certains font le choix de ne pas partir tout de suite après le bac et vont plutôt faire le choix de partir au niveau du post-licence pour nous. Donc ça, ça dépend du projet et du pays ciblé.
Donc là, on est sur les ECTS. Hein, ouais, donc, ça, on l'a balayé. Voilà, donc ça correspond à une charge de travail. Hein, charge de travail personnelle et un contenu de formation. Et c'est transférable d'un pays à l'autre hein, du fait des échanges. Je pense qu'on a à peu près dit l'essentiel. Voilà. Donc là, ça compte. Alors là, c'est plutôt effectivement l'Erasmus+. L'Erasmus+. Dans le cadre de l'université. Donc, alors peut-être, pour clarifier, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses effectivement de dit sur Erasmus, mais quand on rentre à l'université, par exemple, on peut bénéficier dès la première année, d'un stage subventionné par l'Europe, ce qui n'est pas le cas pour demander une année d'études à l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà une première année obtenue pour ensuite avoir l'opportunité de partir une année étudier à l'étranger. Donc ça, c'est déjà une première chose à connaître. Ça veut dire aussi qu'un élève qui a le projet de partir en mobilité pour faire une année d'études va devoir le préparer déjà à N-1. Donc celui qui veut partir en L2, on a parlé de la licence L1, L2, L3. Celui qui veut partir, par exemple, pendant sa L2, il faut déjà qu'il prépare son projet en L1. D'accord ? Donc, à exception des stages, où on peut effectivement faire la demande dès la première année. Ça, c'est possible, de faire un stage à l'étranger. Même si ça ne fait pas partie de votre cursus. C'est-à-dire que dans votre cursus, on ne vous impose pas du tout un stage à l'étranger. Ça peut devenir un choix de votre part. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, alors, pourquoi on parle de mobilité encadrée dans l'enseignement supérieur ? Donc, c'est ce qu'on appelle les programmes Erasmus+. Pourquoi ? Parce que d'une part, alors vous avez bien compris que ce programme Erasmus+, on est inscrit dans un établissement du supérieur en France. Et qu'à un moment donné, on va demander une mobilité. Cette mobilité, elle est encadrée dans la mesure où, par exemple, on a droit à cette mobilité, de demander cette mobilité, on a droit à un an par cycle d'études. Cycle de formation. La licence est un cycle de formation, le master est un autre cycle de formation. Donc, c'est 6 mois, 1 an maximum par cycle. Ensuite, quand je suis dans une université en France, que je suis une spécialité de licence, mon université va avoir des partenariats avec des universités étrangères. Je ne vais pas toujours, ça peut se faire, de parler à son responsable de formation ou au bureau, on va dire, des relations internationales de son université ou de son école. On peut dire, moi j'aimerais bien partir dans cette université pour tel programme. Mais en général, tout ça, ça a été vu, hein, c'est pour ça que c'est encadré. L'université étrangère s'est mise d'accord avec l'université française par rapport au contenu des matières, hein, des connaissances hein, qui sont abordées, de voir un petit peu quel est le programme le plus approprié à suivre pour que l'étudiant ne refasse pas les mêmes connaissances, enfin ne soit pas dans n'est pas des cours où il va avoir des connaissances qu'il a déjà apprises en France. Donc tout ça a été quand même, négocié, réfléchi entre l'université étrangère et l'université française. Donc c'est dans ce sens où c'est encadré, parce qu'il y a aussi un contrat pédagogique Erasmus+, en fonction des matières que vous suivez, de là où vous voulez aller, on va regarder les matières que vous devez suivre pour pouvoir compléter votre cursus, parce que vous allez aller là-bas pour étudier, pour passer des examens. Et puis, l'objectif, c'est pas qu'une fois que vous reveniez en France, vous ayez à nouveau des évaluations à faire parce que vous n'étiez pas là. Là, on travaille, c'est pour ça que c'est une mobilité encadrée. Il y a une reconnaissance du cursus qui a été suivi par l'étudiant dans l'université partenaire à l'étranger. Donc ce qui veut dire, clairement, un élève qui part après la L1 pour faire sa L2 toute une année à l'étranger et qui valide sa formation à l'étranger pourra repartir sur une L3 en revenant en France. Et puis, autre chose pour compléter effectivement par rapport à la mobilité, on vient d'évoquer qu'il y a un partenariat avec des universités qui sont déjà identifiées. Et ça, vous pouvez le voir. Par exemple, si vous voulez faire l'essai en allant sur le site de l'UBO,
de l'université, par exemple, de Brest. Il y a un onglet qui s'appelle « International » quand vous allez sur le site. Et vous pouvez visualiser déjà les partenariats avec les universités. Donc ça, c'est intéressant déjà pour vous projeter sur les partenariats existants si toutefois c'est l'UBO que vous ciblez. Mais ce que j'ai dit que là, vous pouvez très bien le faire si vous avez un programme d'études dans une école, hein, que ce soit école d'infirmiers, école d'ingénieurs, peu importe, ou école de commerce. Vous pouvez, si vous avez accès sur le site, à un onglet international pour voir déjà les partenariats existants. Ça vous permet à vous, comme je disais, de vous projeter dans telle université ou dans telle ville. Alors, au niveau financier, on disait tout à l'heure que la mobilité encadrée est plus intéressante. Pourquoi ? Parce que on a bien compris, vous l'avez bien compris dans ce cas-là, on reste un étudiant de son université d'origine. On reste étudiant de l'université française et on va aller faire un séjour académique ou de stage, un séjour, et on revient dans son université d'origine. On aura son diplôme, sa licence, la licence française, et on pourra effectivement, dans son CV, indiquer qu'on a effectué un parcours de mobilité Erasmus+, dans telle université, etc. Ce qui montre de nos capacités d'adaptation à un nouveau système, etc., etc. Donc du point de vue financier, concrètement, ça veut dire que vous payez les frais d'inscription en France. Ici, dans votre établissement français, vous n'aurez pas à payer l'inscription dans l'université, dans le pays étranger que vous aurez ciblé. Ouais. Et parfois, alors nous, on sait, au niveau européen, on est parmi, on va dire, les universités dont les frais d'inscription sont assez faibles, hein, par rapport à d'autres pays. Et alors, Erasmus+, hein, c'est pas seulement que l'Europe, hein, ça peut être aussi des pays, comme je vous ai dit, tiers, donc ça peut être les États-Unis. Donc, vous savez très bien qu'aux États-Unis, les frais d'inscription sont très élevés. D'empêche qu'on a des étudiants qui sont inscrits en France, qui vont faire un séjour académique de 6 mois dans le cadre d'un programme d'échange, donc une mobilité encadrée, et ils ne paieront pas les frais d'inscription de l'université américaine, parce que c'est un système d'échange. Il y a aussi la possibilité de bénéficier d'une bourse, d'un soutien financier, d'une bourse Erasmus+, qui ne va pas couvrir tous les frais, donc tous les frais annexes, c'est-à-dire les frais de logement, les frais de nourriture, les loisirs, etc. Mais ça peut couvrir une bonne partie. Donc voilà pourquoi on parle vraiment de mobilité encadrée. Quand même, petit rajout avant de passer à l'autre point, parce qu'on a des élèves des fois au lycée qui nous disent « Moi, de toute façon, mon projet, c'est d'aller à l'université, puis je vais me faire un Erasmus. » On l'entend souvent aussi avec des élèves. Mais c'est quand même important de le rappeler, tout le monde ne fait pas forcément un Erasmus. C'est-à-dire que c'est soumis à des conditions. On ne rentre pas, c'est pas parce que j'ai décidé d'aller faire une année à l'étranger que ma candidature va être acceptée. Donc ça se base sur quoi ? Sur les notes scolaires et le niveau de langue. Donc il y a quand même des critères. On ne fait pas, tout le monde n'est pas forcément, ne remplit pas forcément toutes les conditions pour pouvoir aller en Erasmus. C'est quand même important de le rappeler que ce n'est pas quelque chose de si fluide non plus et qu'il va falloir montrer une certaine assiduité en L1 si vous envisagez une L2, un certain des résultats scolaires et aussi un niveau de langue qui vous permet en tout cas d'accéder à votre projet de mobilité. Oui, tout à fait, parce que l'objectif, c'est que, comme on l'a dit au début, vous soyez dans une expérience positive et qu'on puisse tout à fait estimer de bonnes capacités d'adaptation à un nouveau système, parce que vous n'allez pas, même si vous gagnez en fluidité par rapport à la langue, quand on est en immersion dans un pays, on gagne énormément en fluidité dans la langue, mais vous y allez pour étudier dans la langue et pas pour apprendre la langue. Donc c'est pour ça que le niveau de la langue est important et que les résultats académiques sont importants dans la mesure où on va pouvoir, on va dire, estimer les chances de réussite et de bonne adaptation dans le nouveau système. Oui ? Là, en fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous dites par rapport au niveau de la langue, parce que j'ai fait un séjour linguistique il y a 2 ans, de 6 mois, en Irlande, et j'avais vraiment un niveau complètement nul. Hein, vraiment, j'avais un niveau A1, voire A2. Ça a clairement pas joué. On m'a directement pris et ça a clairement pas joué sur,
sur mon voyage et pourtant j'avais vraiment un niveau catastrophique, je savais rien dire et j'ai quand même, je me suis améliorée et je suis partie avec un diplôme C1. Donc je trouve que c'est pas, enfin l'ayant vécu, je trouve que c'est pas non plus handicapant et ça puis on m'a accepté. Pour étudier, pour apprendre la langue, j'ai été dans une école internationale là-bas. Mais c'était pas dans le cadre de vos études C'est... Non, du tout. C'était une année. Enfin, j'ai pendant l'année. L'année c'était pas Erasmus, c'était une école EF. C'est quelque chose. Alors, ce dont vous faites, c'est pour ça que je me permets de vous poser des questions. Alors, effectivement, dans votre situation à vous, c'est ce qu'on appelle les séjours linguistiques et c'est de la mobilité en solo. Et elle peut se faire, cette mobilité en solo, pour être en immersion dans un établissement scolaire aussi. Mais on ne va pas valider hein, ce qu'on aura fait dans l'établissement scolaire, ne va pas être reconnu en France. C'est un petit peu une parenthèse par rapport à son cursus scolaire. Et là, effectivement, il n'y a pas de test, enfin, de niveau requis dans la langue, parce qu'on est dans le cadre d'une mobilité en solo. Donc on l'évoquera après, mais c'est bien d'avoir votre témoignage. Je vous remercie. Voilà. Alors c'est bien d'être intervenu parce que c'est pour ça qu'on fait bien la différence entre les deux. La mobilité encadrée qui s'inscrit dans un parcours de formation. Il faut vraiment l'entendre comme ça. Ça s'inscrit dans un parcours de formation et on n'arrête pas son parcours de formation. Il n'est pas suspendu, il n'est pas mis entre parenthèses. Et vous, c'était pas tout à fait cette situation-là. Et donc, du coup, vous étiez dans la situation de la mobilité solo qu'on verra après. Et on pourra revenir sur votre expérience parce que c'est très intéressant de la faire partager voilà, aux autres personnes qui sont présentes. Alors là, c'est plutôt faire un point, on l'a un petit peu évoqué, mais quand même, petite parenthèse qui semble importante, parce que c'est vrai qu'on pense Erasmus, on pense souvent université, mais pas que. Donc ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, ça peut être une école d'infirmiers, de commerce, ou tout type d'école, même en logistique, etc. Et notamment, on pense pas, on a évoqué aussi l'IUT. Alors l'IUT, c'est l'Institut Universitaire et Technologique. Donc les élèves qui envisagent effectivement d'aller... Alors, il y a une réforme, hein, pour ceux, je ne sais pas si tout le monde est au courant, par exemple, dans les IUT, jusqu'à l'année dernière, un bachelier pouvait demander en IUT une formation qui s'appelait un DUT, diplôme universitaire et technologique, qui se faisait en 2 ans. Et donc, il existait maintenant, il est possible toujours de s'inscrire à l'IUT, mais le DUT est passé en 3 ans, ils appellent ça un BUT, un bachelor universitaire et technologique. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ça va concerner les élèves qui vont s'y inscrire l'année prochaine dans le supérieur. Quand on s'inscrit dans un BUT, c'est en cours de construction, hein, ils sont en train d'y travailler. Il y a des BUT qui vont proposer des modules d'études internationales. Ça existait déjà dans le temps des DUT. Par exemple, si on prend l'IUT de Quimper, jusqu'à l'année dernière et encore cette année, ils le font, parce qu'il y a encore des élèves qui sont en DUT technique de commercialisation, par exemple, et qui pouvaient bénéficier d'une année supplémentaire qu'ils appelaient le DUETI, qui est toujours d'actualité, hein, puisqu'ils font leur candidature encore cette année. Pour autant, c'est important pour ceux qui sont dans cette démarche-là, d'inscription sur un BUT l'année prochaine, et ben, pensez à ces questionnements-là, parce que ça peut faire partie de votre cursus d'études en BUT. Et certains IUT le proposent plus que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment voir le contenu de cette formation-là. Et on n'y pense pas forcément dans le cadre des IUT. Après, je vais peut-être laisser parler des cursus binationaux oui, à l'université. Oui, c'est ça. On peut trouver dans le système universitaire hein, des cursus double diplôme ou cursus intégré qui intègre voilà un parcours et qui est l'émanation on va dire d'un consortium de plusieurs universités ou établissements et où l'étudiant de fait de l'inscription de son admission de son inscription dans ce type de parcours va automatiquement avoir une alternance de sa scolarité en France et dans un autre pays d'Europe ou du monde. Justement, je peux vous donner un exemple hein, de réseau qui illustre ces cursus intégrés, si ça veut bien. Voilà. Par exemple, le réseau franco-allemand.
l'université franco-allemande. Voilà, donc c'est un réseau de 140 universités, hein, où là aussi vous avez des cursus intégrés, où là on vous propose soit des doubles diplômes ou des diplômes conjoints. D'accord ? Et donc il existe effectivement tout un réseau. Là aussi le réseau franco-italien, qui est assez connu également. Et puis vous avez aussi énormément de doubles diplômes franco, étrangers, on va dire. On vous donnera une source d'information, un site internet à la fin, où on peut retrouver vraiment la liste hein, de tous ces diplômes un peu particuliers. Bon, sachant que ce sont des diplômes, surtout quand on est sur des doubles diplômes franco-étrangers, ce sont des diplômes où l'admission, hein, la sélection est importante. Parce que là aussi, hein, quand on s'inscrit dans ce diplôme-là, il faut quand même, on sait qu'on va devoir partir à l'étranger, s'adapter à un nouveau système, maîtriser la langue. Donc il y a une sélection qui se fait automatiquement, bon, sur la motivation bien entendu, mais aussi sur les résultats académiques. Hein, c'est des parcours parfois, surtout quand on arrive au niveau master, hein, il y a des masters qui s'appellent Erasmus Mundus. Des masters hein, où les élèves, c'est les élèves du monde entier qui peuvent y postuler. C'est très sélectif et ce sont des parcours d'excellence. Oui, voilà. Quand même des... De toute façon, quand on se lance dans un double diplôme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça demande quand même double ouais. exigence de la part de l'élève aussi en termes de ouais. travail. Et quand on parle de diplôme conjoint, c'est un diplôme unique en fait, hein, qui est délivré par minimum deux établissements. Oui, hein, c'est ça. C'est et le double unique. Diplôme, effectivement, on va... Alors, bon, moi, je connais de façon plus particulière le cas d'Espagne, donc je donne souvent des exemples hein, par rapport à l'Espagne, c'est pour cette raison-là. Quand on va être sur un double diplôme franco-espagnol, par exemple, en droit, on va obtenir d'un côté, alors il y aura, on est embarqué pour 5 ans d'études en fait, on s'engage dans ce programme pour 5 ans, donc avec une sélection importante quand même, comme je vous ai dit, on va avoir une alternance de sa scolarité. Alors ça peut être 2 ans en France, on démarre par 2 ans en France, après on poursuit 2 ans en Espagne, on revient en France ou on choisit pour la dernière année. Enfin, les formules sont multiples, elles sont définies à l'avance. C'est les universités qui le définissent, hein, c'est pas l'étudiant. L'étudiant, quand il rentre dans le programme, il rentre dans le programme tout fait. S'il faut changer chaque année, il changera chaque année. D'accord ? Et au bout, on parle de double diplôme, donc on va obtenir le master français et le master espagnol. Ce qui fait que ça nous donne une possibilité d'insertion professionnelle dans les deux pays avec une lisibilité par rapport à son diplôme. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, il y a énormément d'écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, enfin, il y a d'autres types de filières d'études, hein, comme les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, qui permettent aussi la possibilité d'aller vers un double diplôme. Je veux aller travailler en Espagne et qu'on ne connaît pas mon diplôme français, qui est pourtant connu en France, je sors mon diplôme espagnol et voilà, c'est plus facile pour la recherche d'emploi. Donc c'est la différence entre des diplômes double diplôme et diplôme conjoint. Donc là, on vous a mis les accords possibles également, qui portent des noms bien, bien précis et qui sont qui vont être possibles avec des pays en dehors de l'Europe. Hein. On vous a dit qu'Erasmus Plus, hein, c'est pas seulement que les pays d'Europe, c'est aussi les pays tiers. Donc là, on voit avec donc le Canada, il y a un partenariat, bien évidemment. Il y a un partenariat pour les échanges d'étudiants, même si un des supports, c'est Erasmus+. Le nom, souvent on parle de BCI, c'est le nom. Il y a aussi des partenariats avec les États-Unis. Donc il y a un programme ISEP qui rassemble... Il y a un partenariat d'universités américaines avec des établissements français. Donc ça, c'est
ces partenariats que l'on trouve là ne sont pas présents pour toutes les filières et dans toutes les universités. Donc de connaître le nom, si on est intéressé, ça peut permettre de cibler finalement l'université ou l'établissement dans lequel on va poursuivre son parcours pour pouvoir aussi aller vers ce type d'échange. Donc il y a l'Amérique du Nord, hein, tout ce qui est Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada aussi. Et puis il y a le programme TACE qui est spécifique pour les sciences. TACEP, c'est ça, ouais. TACEP, pardon, qui est spécifique pour les filières scientifiques. Donc là, c'est vraiment spécifique. Voilà. Ah oui, prennent le nom des programmes. Donc pour le Québec, ça va être BCI. Pour les États-Unis, ISEP, ISEP. Et puis ensuite, MISEFA, MISEFA, pour l'Amérique du Nord. Et pour tout ce qui est les sciences, là, et l'Amérique du Nord, ça va être TACEP, TA2SEP. Alors, on vient effectivement d'évoquer hein, tous les types de mobilité encadrée, hein, qui rentraient bien dans un programme d'études. Maintenant, l'autre type de mobilité qu'on a un petit peu évoqué, c'est la mobilité en solo. Donc là, ça veut dire que l'élève et sa famille décident de mettre en place un projet de mobilité de façon presque individuelle et personnelle. Quoi. Oui. C'est un projet qui ne s'inscrit pas, en fait, on va dire, dans un parcours scolaire. Oui. Hein? Donc, on a scindé, on va dire, la mobilité solo avant 18 ans et après 18 ans. Souvent, nous, les demandes qu'on a dans la mobilité solo avant 18 ans, ça va être effectivement, je suis souvent, oui, collégien, fin de collège ou début de lycée, donc troisième, seconde, voire première. Et voilà, je suis à ce moment-là de ma scolarité et je voudrais partir 3 mois ou 4 mois ou 6 mois ou 1 an dans un pays étranger, être en famille d'accueil, avoir une famille sur place, être logé dans une famille. Et puis, pouvoir être inscrit dans un établissement local pour être avec des jeunes, pour suivre une scolarité qui est vraiment locale, quoi. Et là, souvent, hein, c'est ce qu'on disait dans la mobilité solo, la démarche est vraiment individuelle. Et la particularité aussi, hein, je vous ai dit, ça ne s'inscrit pas dans un parcours d'études qui va être reconnu à son retour. C'est ça qu'il faut retenir. C'est reconnu de façon officielle par l'éducation nationale, en fait, on va dire. C'est comme une parenthèse. Enfin, une parenthèse. On ne sait pas bien comment le dire parce que c'est tellement positif comme expérience. On ne peut pas dire que c'est une année perdue. Mais c'est vrai que c'est une année ou 3 mois où on à l'étranger en mobilité solo, eh bien, quand je reviens, je ne vais pas passer en première. Je vais devoir faire l'année de seconde dans le système français. Donc, quand je parle de reconnaissance, c'est la reconnaissance au niveau académique. Mais bien sûr que c'est une expérience qui est très enrichissante. Hein. Tous les élèves, et donc là, on avait un témoignage, tous les élèves qui partent, et quand ils reviennent, même si c'est que pour 3 mois, même s'ils ont raté 3 mois de scolarité, alors 3 mois c'est moins gênant, hein, on ne va pas leur faire refaire l'année juste pour 3 mois, mais ils vont devoir raccrocher les wagons, les élèves raccrochent les wagons. Ils ont pas, ils n'ont pas eu de cours pendant 3 mois, alors ils peuvent avoir un peu des cours à distance, des choses comme ça, mais bon, ils sont quand même inscrits dans un établissement scolaire là-bas, enfin, ils ont leur journée complète. Donc voilà. C'est la différence avec la mobilité encadrée. Donc là, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est à côté. À côté. Voilà. Et qui est soumis quand même à autorisation du chef d'établissement. Hein, parce qu'effectivement, il faut quand même assurer le retour dans l'établissement d'origine. Il faut avoir une place. Il faut avoir une place au chaud.
Ça veut dire que, d'accord, je vais faire mon expérience à l'étranger, d'accord, je ne vais pas avancer dans mon programme d'études si je pars une année complète, mais il faut quand même que je m'assure un retour auprès du chef d'établissement. Donc souvent, c'est un projet qu'on va formuler auprès du chef d'établissement, qu'on va valider. Alors des élèves en grande difficulté, ça risque d'être compliqué de valider ce genre de projet. Il faut quand même que ce soit des élèves qui vont facilement rattraper après la suite du cursus en ayant un an d'expérience à l'étranger. Alors, petite chose quand même, parce qu'il y a beaucoup de séjours linguistiques qui sont proposés par des organismes privés. Alors, je ne sais pas par quel organisme vous étiez, ou une association à but. Il y a les organismes privés qui organisent des séjours linguistiques avec des parcours éducatifs. Donc, par exemple, l'élève qui est en seconde et qui voudrait partir une année. Moi, j'ai eu le cas de figure d'une jeune fille, par exemple, qui était partie après la seconde, faire une année et elle a décidé de couper son année en deux. Elle a fait 6 mois aux États-Unis et 6 mois en Espagne. Ça, c'est possible. Donc, elle était en famille d'accueil et elle suivait le programme d'études du pays. Donc, elle était avec les étudiants du pays en famille d'accueil. Elle a pu couper son année en deux temps, deux semestres. Et elle est revenue ensuite dans son établissement au lycée, donc en année de première. D'accord ? Elle est partie après la seconde. Quand elle revient, elle a fait une année d'expérience professionnelle et expérience personnelle en fait à l'étranger. Elle revient, elle repasse sur son cursus en première. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez aussi, donc c'est assez onéreux l'exemple que je vous ai donné, il y a des organismes privés, bah, ils prennent tout en charge, parce que vous allez voir dans Mobité au Solo, toutes les questions qu'on doit se poser, elles sont multipliées par 10 par rapport au programme encadré. Donc vous allez voir que certains, plutôt que de faire toutes les démarches en solo, vont passer aussi par un organisme comme les organismes privés ou les associations, puisqu'il en existe certaines, qui se chargent de tout. Par exemple, je veux faire une mobilité, comme je disais, aux États-Unis, ils vont se charger des démarches administratives pour le visa, pour vérifier un peu les papiers. De trouver une famille d'accueil, trouver la famille d'accueil, etc. Et ça rassure la famille parce qu'il y a un encadrement sur place. Voilà, donc c'est un choix des fois des familles, surtout au niveau lycée où vous êtes quand même assez jeune. Donc c'est des départs à 15-16 ans. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a des associations à but non lucratif. Hein. On vous a donné deux exemples comme l'AFS, ou le club Rotary. Alors, on en a, hein, des Rotary Clubs aussi. Ce sont des fondations à but non lucratif. Alors, on peut partir une année. Alors, souvent, c'est l'année de première et de terminale. Il suffit de contacter le Rotary Club le plus proche de chez soi. Et en fait, il y a des critères là aussi. Hein. C'est pareil, on va prendre en compte un peu votre projet, votre motivation. Et là, vous pouvez bénéficier d'une bourse pour une année à l'étranger. Oui, oui, donc les bourses, il y a des bourses possibles, mais voilà, c'est plutôt certaines associations qui le proposent. Et ces bourses vont être en fonction des revenus de la famille, etc. quoi. Ne vont pas tout couvrir, mais peuvent couvrir quand même une bonne partie et peuvent permettre à des jeunes quand même de vivre cette expérience. Et c'est vrai que l'AFS, on l'a mis également, puisqu'il a quand même un partenariat avec 50 pays différents. Donc c'est vrai que si vous rentrez dans des critères... dans les critères attendus, c'est vrai que ça peut être intéressant financièrement parce qu'il y a un encadrement, il y a une aide, il y a un accompagnement en tout cas pour la famille d'accueil, toujours pareil, qui peut faciliter les démarches. Et puis l'AFS fait vraiment, ils ont un agrément avec l'éducation nationale parce qu'ils vont accompagner aussi, ils sont en appui aux équipes des établissements scolaires français quand c'est un élève étranger qui vient en France chez nous. Ou inversement, quand un élève français part dans un établissement étranger. Donc il y a un appui aux équipes éducatives pour leur expliquer comment accueillir ce type d'élève, etc., etc. Dernière petite chose qu'on a quand même évoquée dans la diapositive ici, c'est l'année de césure, parce qu'on est dans l'entre-deux par rapport au plan qu'on vous a proposé, parce qu'à la fois on sort tout juste du lycée, mais on n'est pas encore rentré dans le supérieur. Il est possible de faire ce qu'on appelle une année de césure juste après le baccalauréat. Donc, et donc cette année de césure, ça vous permet aussi, ça peut être une occasion de faire justement un parcours éducatif et linguistique pendant cette année-là. Il y a des élèves, par exemple, de terminale qui viennent nous voir en entretien et qui nous disent « Moi, j'envisage tel type d'études à un moment donné, plus tard, dans mon parcours supérieur, et je sais que je vais avoir besoin de l'anglais. Et j'aimerais bien, avant vraiment de m'engager dans les études, de pouvoir faire une année pour renforcer les langues. » Donc là, on est dans une demande plutôt de séjour linguistique, puisque l'élève ne veut pas aller étudier
ne veut pas aller étudier dans un autre pays. Ce qu'il veut, c'est un sas là, d'une année pour pouvoir renforcer sa fluidité et la maîtrise de la langue. Et donc, il peut utiliser l'année de césure. Donc, l'année de césure, il faut quand même être inscrit dans un établissement scolaire français du supérieur. Il faut avoir fait sa demande d'inscription sur Parcoursup. Et au moment de l'inscription, il faut faire une demande d'année de césure. Et donc, cette demande va être étudiée par le doyen de l'université qui va donner son accord, parce qu'il y a un accord. C'est à la fois l'année de césure, c'est un droit que tous les étudiants ont pour demander une suspension de leur parcours scolaire, mais il faut qu'il y ait l'aval de la direction. Et ça peut se faire à n'importe quel moment du parcours. Là, on vous parle d'un exemple d'un élève tout de suite après le bac. Mais ça peut être, je commence ma formation en France dans un établissement du supérieur, et à un moment donné, je peux demander une pause, j'arrête pas mes études, hein, mais je fais une pause pour faire autre chose. Donc l'autre chose, ça peut être, j'ouvre ma petite entreprise, j'ai un projet professionnel, mais c'est aussi, je veux aussi aller à l'international pour m'améliorer dans la langue, parce que je vais candidater plus tard sur un master qui demandera des compétences linguistiques. Ça peut être ça. Donc là, elle vous a parlé surtout d'une césure encadrée, parce qu'il y a deux types de césure en fait. Hein. On peut appeler aussi année de césure. Donc là, elle vous a bien expliqué les césures dans le cadre effectivement d'une inscription en établissement scolaire du supérieur, et vous garantissez votre droit au retour dans ce même établissement. Et il y a aussi la césure, c'est-à-dire post-bac, parce qu'il y en a aussi qui sont dans ce cas de figure, c'est-à-dire je m'inscris nulle part dans le supérieur, mais je me prends une année dans laquelle je vais investir peut-être des cours d'anglais ou faire d'autres expériences. Là aussi, il y a quand même deux cas de figure, c'est important de le préciser. Ouais. Parce que l'année de césure a été réglementée. Ouais. Il y a un texte de loi qui réglemente l'année de césure. Donc il y a l'année de césure réglementée avec je suis inscrit dans un établissement scolaire français du supérieur, je fais une demande, et j'ai l'autorisation d'eux. Et puis, il y a aussi dans le langage de tous les jours des étudiants, des élèves qui viennent et qui nous disent « Moi, je veux faire une césure. » Et donc, si c'est « Je veux faire une césure », c'est-à-dire « Je ne serai pas inscrit dans un établissement scolaire et je vais faire une année... » À un moment donné, on employait aussi le terme d'année sabbatique. Donc, ça n'a rien de sabbatique puisqu'on est quand même en action et qu'on a un projet. Et donc, dans le langage de tous les jours, l'année de césure, ça peut être ça. Mais aussi, sachez que l'année de césure, ça réfère aussi à une réglementation. Donc, toujours dans la mobilité en solo, mais cette fois-ci, peut-être après 18 ans. Alors, on peut partir dans ce type de séjour après 18 ans, mais c'est vrai qu'après 18 ans, les jeunes, ils n'ont pas envie d'être en famille d'accueil. C'est pour ça qu'on a distingué avant 18 ans, les séjours linguistiques avant 18 ans, et après 18 ans, on va vous parler d'autre chose, mais sachant que les séjours linguistiques sont possibles avec certaines associations au-delà de 18 ans, bien évidemment. Alors, comme on vous expliquait tout à l'heure, c'est quand même bien plus simple effectivement au niveau des démarches administratives de passer par un programme, vu que tout est déjà bien huilé. Dans une démarche en solo, encore une fois, ça veut dire qu'on va devoir faire les démarches en autonomie. Ça veut dire quoi, toutes les démarches en autonomie? Ça veut dire qu'il va falloir déjà identifier le pays dans lequel je veux aller exercer. Je vais devoir identifier l'établissement dans lequel je peux me projeter dans une formation qui est bien en cohérence avec mon projet. D'accord. Et ensuite, ça veut dire aussi, ce même cursus de formation que j'aurais identifié à l'étranger, est-ce qu'il va être reconnu en France quand je vais revenir? Quand je vous disais tout à l'heure, il faut penser au retour, c'est s'assurer de la reconnaissance du diplôme, si toutefois notre projet, c'est bien de revenir en France pour exercer ou pour continuer son cursus scolaire. Donc là, on est dans le cas de figure où, par exemple, un élève de terminale vient nous voir et nous dit, moi, l'année prochaine, je veux faire des études de kiné, mais pas en France, je veux les faire en Espagne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mobilité en solo. Et avec tout ce que ça sous-entend, là, il y aura pas, on ne sera pas sur de la mobilité encadrée, rien n'est tracé, il va falloir chercher les informations, où est-ce qu'on fait kiné en Espagne,
ça correspond à quel diplôme, comment je m'inscris, combien ça coûte, quel est le coût de la vie, combien ça va me coûter au total d'aller faire des études de kiné. Et aussi les dates d'inscription. Voilà, parce que dans le calendrier écoles, d'inscription, bah oui, comment je postule, hein, parce que nous on a Parcoursup, mais Parcoursup, c'est pas quelque chose qui existe dans les autres pays européens. Non, ils n'ont pas tous de procédures centralisées, comme chez nous en fait. Donc certains oui, mais d'autres non. Donc il faut se renseigner sur tout ça, et c'est vraiment une démarche qui est propre, qui est individuelle. Alors elle est intéressante en soi, c'est juste que ça demande du temps, effectivement, parce que ça vous demande plus de recherche, d'informations. En soi, c'est vraiment des projets qui sont très riches, hein. Mais voilà, c'est juste le calendrier, les démarches qu'il faut entreprendre auparavant pour s'assurer de rien oublier. Donc moi j'ai le cas effectivement d'une jeune fille cette semaine qui est en seconde et qui me demandait d'aller aux États-Unis, elle veut faire des études aux États-Unis. Bon ben on a regardé ensemble, parce que c'est pas le tout d'avoir repéré effectivement le pays, c'est de regarder un petit peu les exigences aussi de l'université. Par exemple aux USA, il n'y a pas de démarche centralisée comme Parcoursup. Ça veut dire qu'on doit aller se renseigner dans chaque université pour voir quels sont leurs critères d'exigence pour y rentrer. Et donc bien souvent, ben, quand on regarde un peu les critères d'exigence, bien sûr on va avoir les notes, on va avoir le dossier d'inscription standard de l'université. On peut très bien avoir une lettre de motivation qui va être demandée. On va demander peut-être des bulletins, mais qui vont être aussi traduits par des traducteurs assermentés. Donc, il faut prévoir cette démarche-là aussi en amont. Il faut trouver des traducteurs qui puissent aussi attester vos bulletins. Ça peut être aussi votre test de langue, comme on disait tout à l'heure. Les tests de langue, où j'en suis. Je suis en seconde. Elle envisage de faire ça après sa terminale. Elle a 2 ans. Pour parfaire son niveau d'anglais et pour être bien comme il faut, sachant que dans les tests de langue, c'est petit aparté, mais c'est quand même important dans une démarche de mobilité. Donc par exemple, il y a des tests qui sont proposés, des tests anglais que vous avez peut-être entendu parler, le IELTS par exemple, ou alors le test américain, le TOEFL. Quand on parle de tests, généralement, ils sont valables pour 2 ans. D'accord ? Donc ça veut dire qu'au-delà de 2 ans, il faut repasser des tests. Par contre, tout ce qui est diplôme de langue, c'est plutôt une acquisition définitive. Par exemple, le Cambridge, que vous avez déjà entendu parler. Donc voilà, il y a ça aussi à intégrer dans le temps de préparation. Donc les tests, et aussi, toujours dans le parcours de la jeune fille qui regardait l'université, il y avait quand même un critère qui n'est pas inintéressant, c'est qu'on lui demandait aussi de certifier, On appelle ça une assurance financière. Ah oui. Une assurance financière, c'est-à-dire une garantie, financière. Et qui est certain, parfois c'est un certain montant qu'il faut anticiper aussi. Donc là, ça veut dire une garantie financière, c'est une certaine somme d'argent qui est très précise. Ça peut être, 10 000 euros qui est mis sur un compte. C'est ça. Voilà. Et qui doit garantir les conditions financières pour la durée des études sur place. Donc voilà, c'est l'anticipation en solo, mais quand c'est bien anticipé, c'est des choses qui se font aussi très bien. Mais vous voyez que tout est porté quand même par l'élève et la famille, ça requiert quand même une certaine autonomie. Et ça peut être des démarches de visa, donc au Canada c'est le cas, au Québec il y a des démarches de visa qui sont obligatoires. Hein. D'un côté vous avez des démarches liées à l'inscription, la demande de candidature dans l'université. Et de l'autre côté, vous avez des démarches administratives du service d'immigration, en fait. Donc tout ça, les démarches sont multipliées. Dans le cadre d'une mobilité encadrée Erasmus+, tout ça est facilité. Mais pas dans une mobilité solo. Petite chose qu'on n'a pas évoquée, que vous voyez peut-être dans la diapositive, c'est le réseau Enignaric, pour la reconnaissance quand même des diplômes. Alors la reconnaissance des diplômes ou la reconnaissance des professions. C'est ça. Parce que si je vais étudier, kiné en Espagne, donc je vais obtenir le diplôme là-bas et je veux revenir en France travailler. Donc là, c'est un peu facilité parce qu'il y a des professions qui sont réglementées au niveau européen. On peut même avoir une carte professionnelle européenne qui nous permet, avec notre diplôme, de travailler dans les pays d'Europe. Mais il y a quand même une démarche à faire qui est de faire reconnaître sa qualification.
Donc pour pouvoir exercer le métier. Pour pouvoir exercer un métier en France, il faut avoir de kiné, il faut avoir le diplôme d'État. Donc il va falloir, si je suis diplômée de l'Espagne, il va falloir que je fasse reconnaître ma qualification, en tout cas que j'ai le droit d'exercer sur le sol français et qu'on vérifie en fait mes prérequis, les prérequis pour exercer cette profession sur le territoire français. Et dans le donc cas là, il y a une démarche supplémentaire ouais. Et on s'adresse donc à un organisme qui va gérer tout ce qui est reconnaissance de profession et reconnaissance de diplôme. Et c'est l'ENIC NARIC. Alors, ils vont pas donner... Et puis, il y a des exemples de professions qu'on peut très bien être formé sur autre chose dans le milieu professionnel aussi à l'étranger. Les réseaux ENIC NARIC peuvent donner une attestation. Ce ne sera pas une équivalence de diplôme. Et avec cette attestation, vous pouvez vous valoriser votre CV quand vous revenez ici en France aussi. Après, c'est à vous de convaincre l'employeur de par ces attestations et votre expérience que vous avez bien ce qu'il faut pour pouvoir travailler en France. Et parfois... On demande aussi un stage auprès d'un professionnel, une orthophoniste qui a suivi sa formation en Belgique et qui veut travailler en tant que libérale en France, bah, devra, y a des mesures, on va dire, compensatoires pour pouvoir valider l'exercice de sa profession en France quand on est diplômé d'un autre pays. Et alors, c'est vrai que quand on sort de l'Europe, ça peut se compliquer davantage par rapport à la reconnaissance sur le sol français de son métier ou de son diplôme. Alors, c'est juste une aparté, parce que on a déjà parlé des exigences de test, hein, de langue, on en a déjà parlé. Par contre, c'est juste un petit point sur la préparation. En fait, il faut savoir que les principaux tests, on peut aussi les préparer en France. Et donc, il existe plusieurs centres aussi d'examen. Et on va vous donner aussi, comme on disait tout à l'heure, une adresse, un site internet unique dans lequel vous pouvez trouver effectivement les principaux tests, comment s'inscrire à ces tests et pour repérer les centres d'examen ici en France. D'accord ? Avec un seul site. Mais voilà, c'est juste une aparté pour expliquer qu'on peut tout faire ça de chez nous. Alors, un outil européen, la nouvelle version date de 2020 d'ailleurs, parce qu'elle existait déjà. Alors, Europass, c'est un outil vraiment intéressant parce que ça vous permet de créer un profil professionnel et en ligne. Et donc, il est accessible en 29 langues. Donc, l'intérêt d'Europass, c'est qu'à la fois, vous pouvez valoriser toutes vos expériences de stage, de formation, votre niveau de compétences et de connaissances linguistiques. Vous pouvez également parler de vos expériences extra-scolaires. Tout peut être stocké, même les documents, les recommandations, les bulletins, vous pouvez tout stocker aussi sur Europass. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que depuis l'année dernière, quand ils l'ont remis au goût du jour, ils sont en lien avec le RES. Ça veut dire quoi, le reste? C'est tout ce qui touche au monde du travail. Donc ça veut dire que tout ce qui est stocké dans Europass, donc votre CV, vos recommandations, ça veut dire que vous pouvez recevoir des suggestions d'emploi directement via Europass. Vous pouvez aussi avoir des tendances aussi sur l'emploi par pays via Europass. Donc ça peut être intéressant dans une démarche effectivement que l'on peut valoriser après l'obtention d'un diplôme. Mais aussi dans une poursuite de formation. Parce que vous pouvez tout, après un cycle de formation à l'étranger, vous pouvez très bien tout mettre en évidence dans Europass et en rentrant en France pour poursuivre dans un master, tout sera effectivement déjà valorisé et c'est connu à l'échelle de l'Europe et partagé par de nombreux pays. D'accord ? Et une chose quand même, ça me fait penser qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui sont vraiment indispensables, donc je le dis là. C'est vrai que quand on part en mobilité en solo, alors il est fortement conseillé de partir pour un cursus entier de formation. Je m'explique. On a parlé de, par exemple, à l'université, du premier niveau de formation, c'est bien une licence. D'accord ? Bon, bah, c'est un cycle de 3 ans. Eh bien, quand vous partez à l'étranger, il est fortement conseillé de partir sur un cycle entier. Pourquoi ? Parce qu'on a évoqué le problème de la reconnaissance, elle n'est pas systématique. Admettons, vous faites une première année de ce qu'on appelle une licence dans un autre pays ou dans un grado en Espagne. Vous revenez ici, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer en L2, parce que la reconnaissance n'est pas systématique.
vous souvenez, on peut valider un certain nombre de CT pour faciliter le transfert dans les autres pays. Donc attention, quand on va vraiment vers l'étranger, quand on est en solo, on part sur un cycle entier de préférence. C'est fortement recommandé. Donc c'était une petite aparté, mais qui me semble important parce que ça, l'EuroPass peut rentrer dans ce cadre-là, justement, valoriser cette expérience, cette formation à l'étranger. Bah, par exemple, nous, nos IUT, nos BTS, par exemple, nos BUT, sont pas ils n'ont pas la même chose forcément dans tous les pays. Donc ce n'est pas systématique, ce n'est pas facile à valoriser. Et bien quelquefois, le fait de passer aussi par l'EuroPass, de faire attester nos compétences par l'université par laquelle on est passé, en insérant nos stages, nos retours de stages dans EuroPass, il est plus facile après d'envisager peut-être une passerelle dans votre retour en France. À votre retour en France, pardon. Voilà, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance systématique. Ah, voilà. Ensuite, toujours dans le cas de la mobilité en solo. Donc, on expliquait effectivement que c'est assez cher. Vous savez que le prix... Que vous payez dans une université à l'étranger, c'est un prix qui est fixé pour les personnes qui sont extérieures au pays, donc largement plus cher que les résidents. À l'exception même si on prend cet exemple-là, le Canada, le Québec, il y a une entente franco-québécoise. On entend des fois des personnes nous dire on ne paye pas grand-chose quand on va au Québec, parce qu'il y a des alliances. Certes, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Québec, vous avez effectivement des universités qui vont fixer un tarif pour les étrangers français et qui va être à la même hauteur que les résidents québécois. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça ne veut pas dire que ça aurait la gratuité, mais que vous aurez un prix inférieur aux autres élèves venus d'autres pays étrangers. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut quand même un certain montant pour pouvoir accéder à l'université et qu'il faut aussi budgéter avec toutes les démarches qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, et là pour le cas du Canada, je rajoute un petit complément d'information parce que là c'est en ce qui concerne les universités, ce sera jamais gratuit même si on est français d'aller étudier donc à Québec, au Québec. Par contre, il y a des établissements d'enseignement supérieur au Québec qui s'appellent les Cégep, qui vont former des étudiants plutôt à un niveau de technicien, donc pour nous, l'équivalent, ce serait peut-être les BUT ou les BTS. Et là, effectivement, dans ce cadre-là, mais uniquement dans ce cadre-là, il y a des campagnes de recrutement d'étudiants et les frais de scolarité, je parle uniquement des frais de scolarité, sont gratuits. Par contre, le reste n'est pas pris en charge, le logement et les frais sur place. Mais c'est un petit peu un cas particulier. Mais on a d'autres cas particuliers, comme aux USA également. Mais il faut connaître un petit peu les rouages et c'est pour ça qu'il faut directement s'adresser il y a souvent des organismes intermédiaires que l'on peut contacter pour mieux comprendre le système éducatif local et savoir quels sont peut-être financièrement les avantages à passer par tel ou tel organisme. Donc, il y a des petites subtilités comme celle-ci. Mais pour revenir, effectivement, ça touche le sujet qu'on est en train de voir, c'est-à-dire les aides financières. Quelqu'un qui part en solo, clairement, d'un pays à l'autre, on est d'accord, les prix fixés pour les étrangers ne sera pas le même. Donc, ça aussi, ça va jouer sur votre choix de pays et d'études. Vous pouvez solliciter, alors par exemple, en Europe, si vous avez déjà des bourses d'études au CROUS, on a dit que ça peut vous suivre aussi. Il y a une liste de pays qui sont agréés et listés au CROUS, dans lequel vous pouvez faire suivre vos bourses. Vous allez avoir quel type de financement? Vous allez avoir aussi des bourses au mérite qui peuvent exister également. Certains étudiants l'ont. Et puis, on a aussi des bourses qui sont proposées directement par les universités. Donc, ça veut dire que pour le savoir, il faut effectivement se renseigner directement sur le site de l'université pour savoir en quelles conditions ils peuvent octroyer des bourses. Et il est vrai qu'il est plus courant qu'on vous propose des bourses au niveau supérieur, c'est-à-dire plutôt au niveau du master qu'au niveau licence. C'est rarement au niveau du premier grade qu'on vous propose des bourses. C'est souvent après. Que le pays étranger vous propose des bourses. C'est ça. Souvent, c'est plutôt au niveau master, après la licence. Donc là aussi, revient les questions qu'on se disait tout à l'heure. À quel moment c'est plus judicieux pour moi de partir en mobilité ou plus facile pour moi ou en tout cas, ça sera... envisageable au vu de mes,
de mes critères financiers. Dans certains cas aussi, on peut avoir des aides financières, effectivement, en sollicitant la région. Des fois, on peut avoir aussi ce cas de figure. Moi, j'en ai eu effectivement dans le cas des IFSI infirmiers, solliciter la région pour avoir une aide, pour faire du stage, des stages à l'étranger. Mais c'était une démarche personnelle de l'élève. Ça ne faisait pas partie du cursus. C'était vraiment une démarche en solo, pour le coup. Et là, elle avait sollicité la région. Donc là, c'est possible aussi. Alors, pour terminer, deux points. C'est simplement rappeler effectivement que... Ben, nous sommes un CIO Relais Europe. Hein. On a une trentaine de CIO sur le territoire français qui a donc une labellisation Relais Europe. Donc ça veut dire que vous trouvez au CIO de Brest, en l'occurrence, ben, c'est ma collègue et moi qui sommes un petit peu les personnes sensibilisées qui vont accompagner davantage toutes les personnes qui ont un projet de mobilité. Dès qu'il y a un rendez-vous qui est demandé au CIO avec cette thématique-là de mobilité à l'international, c'est plutôt nous qui allons accompagner ces élèves-là. Et voilà. Sachant que nous aussi, comme nous sommes au Relais Europe, on est là vraiment pour apporter des outils, essayer de vous aider à trouver les informations. En aucun cas, nous sommes prestataires, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes, par exemple, des États-Unis. Par contre, on va peut-être trouver les bons interlocuteurs pour aller se renseigner. On s'appuie notamment sur le réseau Euroguidance. En fait. Et donc, c'est le site dont on vous parlait tout à l'heure qui est incontournable. C'est-à-dire que sur ce site, vous allez trouver énormément d'informations. Ça s'appelle Euroguidance. Et donc, c'est le site que vous voyez EG, là, Euroguidance. Alors, pourquoi il est incontournable? Bah, déjà, nous-mêmes, c'est un réseau déjà qui est européen, dont l'objectif est de favoriser la mobilité des étudiants en Europe. Et il s'appuie sur plusieurs CIO aussi ressources, hein, notamment 4 CIO relais internationaux, notamment celui de Lille, Strasbourg, Marseille et Lyon. Lyon. Il y a 4 CIO aussi. Et nous, on s'appuie également, en tant que CIO de Brest, sur ces CIO qui sont aussi ressources donc pour avancer dans les projets individuels. Donc, on dit CIO Relais Europe, mais ce n'est pas que l'Europe. Hein, vous l'aurez bien compris, là, c'est Europe et hors Europe. Et Euroguidance est aussi un site d'information sur la mobilité à l'étranger, que ce soit pour étudier, mais aussi pour travailler, pour faire du bénévolat. C'est vraiment très, très large. Et qui aborde les pays d'Europe, mais aussi certains pays hors Europe. Donc, vous allez, nous, toutes les informations qu'on a pu délivrer aujourd'hui, vous allez pouvoir les retrouver de façon très détaillée sur ce site-là. Donc, c'est déjà le premier réflexe, je pense, à avoir quand on veut commencer un petit peu à s'informer, c'est d'aller voir du côté de ce site internet. Alors, vous trouvez toutes les formes de mobilité qu'on a abordées aujourd'hui, en Europe et hors Europe. Vous allez trouver toutes les informations liées aux tests de langue dont on parlait tout à l'heure. Si je marque par exemple dans les recherches tests de langue, vous aurez aussi les langues que ce soit américaines. C'est des visioconférences qui ont eu lieu toute l'année dernière, notamment en temps de Covid, ça s'est développé davantage. Et c'est pour nous des incontournables, hein, parce qu'on a eu des intervenants d'universités, des intervenants de plusieurs sources différentes qui nous ont permis d'avoir des informations sur les études, par exemple supérieures en Belgique, ou alors comment faire ses études supérieures aux États-Unis, en Espagne. Et donc vous avez des visioconférences comme ça par thématique qui sont ciblées par pays. Donc je vous invite sur le site d'Euroguidance à les revisionner. C'est vraiment une richesse pour bien comprendre le système éducatif aussi à l'étranger. D'autant que lors de ces visioconférences, hein, que vous aurez un lien pour pouvoir les visionner facilement, à chaque fois, vous avez des intervenants universitaires ou des écoles ou du pays, mais aussi des étudiants qui sont partis en mobilité et qui partagent leur expérience. Donc, c'est vraiment très, très riche, très intéressant. Voilà, donc nous, on a terminé notre présentation. Donc, faut pas hésiter à poser des questions. Hein, si nous sommes disponibles, donc voilà, soit poser des questions là
oser poser les questions ou venir nous voir de façon individuelle si... Il n'y a pas de questions ? Soit on était très très clair, ou soit c'est... J'espère de rien, pas très clair du tout. Moi, c'est par rapport aux années de césure. En fait, j'aimerais savoir... moi, j'aimerais bien partir après le lycée. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je m'inscrive sur Parcoursup, qu'une université, par exemple, m'accepte et que je demande ensuite une année de césure et qu'elle l'accepte. Alors, oui. Dans ce cas de figure, effectivement, si on choisit de faire une césure juste après le baccalauréat, effectivement, tu peux t'inscrire sur Parcoursup, dans le cursus supérieur qui t'intéresse. Une fois que tu vas cocher sur Parcoursup césure, mais ça ne sera pas visible. L'école ne verra pas effectivement que tu fais cette demande de saisir. Ça veut dire qu'on attend la validation de l'école, ça veut dire que je suis retenue. Et c'est seulement à ce moment-là que l'école en question sera avertie de cette demande de césure. Oui. Vas-y. Parce que je voudrais rajouter, mais pour ne pas oublier, je vais t'en. Non, juste je voulais rajouter, ce n'est pas une obligation. Tout dépend de si tu veux sécuriser ton parcours de formation. Il y a des élèves de terminale qui veulent faire une césure. Donc voilà, césure, hein, je dis césure en général, voilà. Nous, on vous a parlé de la césure réglementée et du langage de tous les jours quand on dit césure. Donc en gros, la question à se poser, c'est est-ce que je veux sécuriser mon parcours de formation, c'est-à-dire... Moi, je veux partir directement après la terminale, mais quand je veux revenir, je veux être sûre d'avoir une place quelque part. Et donc, si la réponse est oui à cette question-là, oui, je veux avoir une place quelque part, je ne veux pas à me soucier de mon retour et je veux sécuriser mon parcours de formation, là, on se situe dans l'année de césure qui est réglementée avec inscription sur Parcoursup, demande d'année de césure. Si, voilà. Si l'élève se dit « Non, moi, je ne sais pas ce que je vais faire après le bac. Justement, je ne vais pas savoir quoi choisir et je veux me laisser une année pour avoir une expérience, pour m'exposer, m'exposer à une situation nouvelle, mieux me connaître et pouvoir mieux choisir l'année prochaine. Et Parcoursup, je ne le ferai pas là, en janvier, mars, mais après. » Eh bien, tu n'es pas dans l'obligation de... Voilà, ça dépend de toi, ta démarche et de ton souhait par rapport à cette année de césure. Il faut savoir du coup que, effectivement, Parcoursup, ça concerne tous les élèves qui veulent s'inscrire en première année du supérieur. Donc finalement, on pourrait même avoir dans l'idée avoir 2 ans d'arrêt et revenir effectivement sur Parcoursup. Bon, pas de là à 30 ans non plus, mais dans l'idée, c'est ça. Donc c'est vraiment une inscription pour le parcours supérieur première année. Donc, c'est un choix, mais je vais au bout de la démarche parce qu'effectivement, j'en étais là. La césure, elle ne sera visible de la part de l'organisme que lorsqu'il y a eu validation, pour éviter que ça vienne biaiser aussi l'acceptation, le refus dans cette école-là. D'accord ? Donc, une fois que vous êtes reçu, ben là, à ce moment-là, vous allez faire la demande. Et c'est au moment de l'inscription que vous allez faire. C'est un dossier que l'on remplit pour faire la demande de césure. Et c'est là que ça va être soumis à une commission, acceptée ou non. Voilà. Donc, si c'est accepté, ça veut dire effectivement, je peux mettre en place mon projet. Si c'est refusé, ça veut dire, je ne suis pas autorisée à. Donc, ça veut dire que je vais faire peut-être ma première année comme je l'aurais fait dans une inscription en première année du supérieur. Mais ça n'empêche pas que je peux faire ma demande pour la deuxième année. Parce que j'ai été refusée une fois. Parce que quelquefois, c'est le fait que ce soit directement la première année, des fois, qui peut coincer dans les organismes. Mais tu peux très bien faire ta demande pour la L2 après, ou ta deuxième année. J'avais une question concernant les BTS. Vous avez dit qu'il y avait une aide spéciale pour après partir. Ça J'ai pas tout entendu. C'est les DUT, le BTS? Non, le BTS. Le BTS. Ouais. Et pas de BTS? En fait, l'exemple qu'on donnait, c'était vraiment les élèves effectivement, qui faisaient un DUT plus une année particulière qui s'appelle DUETI, donc après un D'accord. DUT.
Et en fait, ça sera toujours d'actualité, mais sous une autre forme, puisqu'on est passé en BUT. C'était ça, effectivement, l'information. Sinon, on n'a pas une année spéciale équivalente à celle-ci après un BTS. C'est pas ce que je voulais dire. C'est dans le sens où comment partir étudier à l'étranger après le BTS. Ah. C'est plus dans ce sens-là. D'accord. Alors, la problématique que l'on aura, c'est comme on expliquait tout à l'heure, c'est quand on a un BTS français, suivant le pays dans lequel tu veux exercer, tu n'auras pas d'équivalent systématique dans l'autre système éducatif. Donc, il va falloir, toi, faire reconnaître ce BTS qui ne va pas s'appeler un BTS chez eux. D'accord ? Mais tu vas pouvoir faire une attestation. On a parlé des réseaux Enignaric tout à l'heure. Tu vas pouvoir faire attester cette formation-là. Et lors de ton inscription dans le supérieur et dans le pays ciblé, il va falloir effectivement justifier cette expérience-là et à voir si tu peux convaincre effectivement d'une intégration au niveau attendu dans cette formation. Mais il y a aussi quand même des formations professionnelles prévues aussi dans les pays étrangers. Ça, c'est possible. Et tu peux aussi faire cette demande d'équivalence. Je le donne. Il existe aussi des années un peu équivalentes à ce qu'on appelle la licence professionnelle chez nous. Il y a beaucoup d'élèves ici après le BTS qui vont faire une année qui s'appelle la licence pro, ce qui était le cas aussi après les DUT. Eh bien, il y a quand même des années équivalentes qui peuvent exister dans les pays européens. Ça, on a déjà eu ce cas de figure. Donc, ça, c'est possible. Ouais. Alors, moi, je complète, c'est vraiment en complément de ce que dit ma collègue. Donc, un élève qui est en BTS et qui souhaite faire une année complémentaire, une troisième année à l'étranger, il va falloir, la première étape, c'est déjà identifier le pays dans lequel on veut aller et regarder le système d'études supérieures dans ce pays-là et identifier quel est le diplôme qui correspond à la troisième année après un diplôme qui est plus professionnalisant. C'est des étapes, mais avec Euroguidance, il y a moyen d'aller rechercher cette information-là. Et parfois, dans certains pays, il y a des équivalents. Par exemple, je veux aller au Royaume-Uni faire une troisième année, que mon BTS soit reconnu et que j'aille en troisième année. Ben, la troisième année, ça ne va pas être l'équivalent d'une troisième année de licence, le bachelor. Ça ne va pas être ça. Mais ils auront un programme qu'ils appellent le top-up degree. Donc ça dépend de chaque pays. Alors, je peux vous le citer pour le Royaume-Uni, mais j'en sais absolument rien pour les autres pays d'Europe. Il faudrait rechercher cette information. Mais ça peut être une question que l'on a. Donc, quand on a ce type de question, vraiment, le réflexe, c'est imaginer le pays. Donc, après, il va falloir aller s'informer sur le système d'études supérieures du pays et regarder s'ils ont des équivalents BTS et post-BTS. Voilà. Mais avec Euroguidance, c'est déjà une première source d'information qui est très riche et qui peut répondre à quelques questions. Et après, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, au CIO, et on vous aide à chercher. Honnêtement, nous, on n'a pas les réponses à toutes les questions. On peut vous aider à chercher. Et on s'appuie aussi sur les CIO qui sont ressources pour nous, les centres d'information internationaux là, qu'on vous a cités, qui sont ressources pour nous. Et on peut poser des questions plus pointues, plus spécifiques, auxquelles nous, on ne sait pas répondre. Qu'il en existe dans d'autres pays qu'au Royaume-Uni, pour avoir eu d'autres demandes dans ce cadre-là. Mais plutôt dans une troisième année que ce que j'évoquais avec le DUETI, qui a vraiment un versant international intégré dans le poste DUT. Voilà. Mais nous, ce serait plutôt la suite ou la licence pro. Pour faire une demande d'Erasmus ou de cursus universitaire à l'étranger, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance ? Alors. Si c'est, Est-ce qu'il y a un délai ou quelque chose comme ça ? Alors, si tu es inscrit dans un établissement, si j'ai bien compris la question, tu es intégré dans un établissement français ici. C'est ça. Et tu souhaites faire un Erasmus pendant une année ou un semestre ? Oui. Eh bien, donc Erasmus, si tu pars pour un semestre ou une année, tu ne peux pas le faire dès la première année, puisque il faut minimum avoir validé une première année de cursus supérieur. Donc, c'est en L1, par exemple, tu peux déjà préparer effectivement, ta demande d'Erasmus pour l'année suivante. C'est toujours en N-1. Moi, je pense que la première démarche, il faut avoir le réflexe d'aller au bureau ou à la direction des études internationales
Il y a un bureau dans chaque établissement, enfin l'université, qui s'occupe des demandes Erasmus. Il faut identifier ce bureau-là et aller les voir et leur demander les dates butoirs. Parce qu'après, chaque établissement de l'enseignement supérieur va avoir aussi ses propres organisations et critères. Donc il faut repérer le bureau ou la direction des études internationales qui va gérer les Erasmus. Et là, vous aurez une réponse très précise. Et comme je disais tout à l'heure, c'est facile à trouver. Comme je donnais l'exemple de l'UBO, onglet international, on tombe de suite sous la direction des études internationales. Donc vous n'allez pas être en difficulté pour les trouver. Ça, c'est assez facile. Très bien, merci à vous.